Bien sûr, ce n'est pas le savoir-faire italien, mais pour l'Europe de l'Est, ce n'est pas si mal. Il me certifie qu'elle date du XIVe siècle. Vu les matériaux, je dirais plutôt début XVe. Le type en voulait 10 000 livres. Mais quand il a su que c'est vous qui la preniez, il a dit « Oh, monsieur Van Helsing a toujours été mon meilleur client. » Je vous rassure, vous ne l'avez payé que 5 000. Vous avez traduit cette inscription ? C'est du dialecte slave. Tous craignent celui qui marche sous la couronne de la nuit éternelle. Non, 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 ce n'est pas la couronne, c'est le halo. Celui qui marche sous le halo de la nuit éternelle. Oui, en tout cas, ce qui explique que ce modèle-là ne se soit pas imposé, c'est qu'il est très lourd comparé à ce qu'on utilisait en Angleterre. Celle des Anglais servait à lancer des flèches avec des hampes en bois. Celle-ci était fabriquée pour des flèches de métal. Des flèches d'argent. C'est un truc que votre grand-père aurait pu prendre pour chasser les vieux... Simon, vous savez que c'est un sujet de discussion que je n'aime pas trop. Pardon. Comment mon pauvre grand-père a pu inspirer un personnage du livre de Bram Stoker, c'est un mystère. Je ne le saurai jamais. En réalité, c'était un simple médecin de campagne qui avait monté un commerce d'antiquités. Rien de plus. Alors, qu'est-ce que vous décidez pour le prix de revente? Je n'ai pas l'intention de la revendre. Je garde cette pièce pour ma collection. Une de plus? Nous faisons des bénéfices, que je sache. J'ai le droit de me garder tout ce que je veux. Monsieur Van Helsing, voilà les dernières factures. Vous avez besoin d'autre chose? Non, 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 vous pouvez partir. Très bien, alors bonsoir. Bonsoir, Simon. Tu sais quoi? On va à la gare de Waterloo, on saute dans le premier train et 3 heures plus tard, on est à Paris pour le week-end. Les Anglais sont obligés de succomber au charme anglais. Tu as une bonne raison de refuser? Je ne sors pas avec mes collègues de travail. Il y a un mois, la règle n'était pas en vigueur. C'est nouveau. Bonsoir, monsieur. Votre système de sécurité est en panne, d'après ce qu'on m'a dit. Non, pas du tout. Erreur. Dans le mille. Fonce, 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 fonce. Fonce et réfléchis. Grouille-toi. Mot de passe décrypté. Accès. Système de sécurité désactivé. Identification empreinte digitale validée. Présentation pour reconnaissance vocale. Matthew Van Helsing. Reconnaissance vocale validée. Présentation pour scan de la rétine. Thank you.
Attends, c'est ça? C'est son débarras, laisse tomber. Quelqu'un? Salut, mon cœur. Marcus, espèce de crête! J'ai une question à te poser. Tu crois que c'est avec ça qu'on va se faire du fric? Chut! Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Du mobilier, des chandeliers, des vieilles poteries merdiques. Si tu veux mon avis, c'est qu'un vieux con morbide, le mec pour qui tu bosses. Y a pas d'œuvres d'art, de diamants, d'or ou... Y a que des crucifix et des tasses à café de merde. On fait pas installer ce genre de forteresse, si on ne cache pas un trésor. Oh. Écoute-moi, tous les deux, on va le trouver. Crois-moi. Les galeries correspondent. La salle principale est derrière cette porte. Hé, hey, Marcus, c'est le grand guignol ou quoi? Ouais. Et t'es sûr que c'est une bonne idée? Si ça vaut d'être protégé, ça vaut d'être embarqué. Faites-la sauter. De l'or. J'ai dit que c'était aussi protégé que de l'or. J'ai dit que je ne savais pas pourquoi. On en a rien à foutre d'un sarcophage en fer blanc. Si ça se trouve, c'est sa vieille qui est dans cette boîte. Marcus. C'est quoi ces conneries? On est là pour prendre du pognon. Les crânes servent à nous faire peur. Les crucifix, le cercueil, tout ce bordel, c'est juste une mise en scène bien flippante pour faire fuir les voleurs. Si on se fait un max de thunes, pourquoi les cacher dans un coffre? Quand on peut les cacher dans un cercueil. Vous trouvez que ça ressemble à n'importe quelle vieille caisse en bois? Le Saint Graal, les joyaux, la couronne, la toison d'or, un putain de trésor, peu importe ce que c'est là! Tous les deux, vous prenez votre matos et vous ouvrez ça tout de suite! Oh, compte pas sur moi pour toucher cette saloperie. Tu veux être payé? Alors au boulot! Bon, d'accord, c'était pas prévu dans ton plan de merde. Pas de clenche là-dessus, ni de serrure. Il doit bien y avoir un moyen d'ouvrir cette putain de boîte. Ah, il y a un joint par là. Nom de Dieu de merde! Pousse-toi!
Posez-moi ça! Dans ce mur, je touche à rien ici! Tu vas faire exactement tout ce qu'il te dit de faire! File-moi un coup de main. Cherche des fissures. Ouais. Pourquoi avoir installé un système pareil? Attention, couchez-vous! Jusqu'au fleuve. Et on est dehors. Oh ! Le cercueil, les mecs. Qu'est-ce que vous attendez ? Aidez-moi ! Fais pas chier, amène-toi, allez, grouille ! Messieurs, nous ne sortirons d'ici qu'avec notre paquet. Ton café, on va être en retard. J'ai décidé que ça n'allait plus me pourrir la vie. D'où ça vient d'après toi? Si je le savais, le cyberpsychanalyste dit que je vais avoir un bébé, le père de Vro dit que je dois reprendre des anxiolytiques et mon copain Ray, le barman, il soutient que je suis une refoulée. Bah quoi? Rien. Écoute, je peux pas m'empêcher de penser que si un homme te prenait dans ses bras... Ah peut-être... oui, peut-être que l'autre ne prendrait plus la tête, merci. Non, je dis pas que la guérison ne tient qu'à ça, mais je reconnais que c'est une thérapie qui peut donner des raisons. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les gardiens? Eh bien, nous avons été cambriolés, Simon. Nous avons été cambriolés, c'est tout. Mais j'ai vu qu'en bas, tout était là. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Mes biens personnels. La crypte? Oui, les poteries, les objets d'art, les tissus, tout ce que je considère comme appartenant. Pourquoi la police n'est pas là? Vous ne les avez pas appelés? Pas utile d'alerter la police. Les gardiens n'ont pas été blessés. Je les ai bien dédommagés. Ils ont compris ce que je voulais. Ils ont de la chance d'avoir joué ce que vous vouliez. Je ne veux pas voir la police! Simon, écoutez, l'acquisition de certains de ces objets n'a pas été, d'un point de vue légal, d'une régularité absolue. Je suis sûr que vous comprenez. Où allez-vous? Je dois m'occuper de cette affaire personnellement. Et en mon absence, je compte sur vous pour faire tourner la boutique. Attendez, Matthew, que vous ont-ils volé? Matthew? Vous pouvez me le dire? Vous me faites confiance depuis toujours. Enfin quoi? Vous avez été comme un père pour moi. Un père? Non, Simon. Je n'ai jamais eu la fibre très paternelle.
Ouais, on y est. Oh, quelle saloperie! Je t'ai déjà dit que c'était carrément scellé. On n'a plus qu'à le faire sauter comme un coffre-fort. Non, ici, tu oublies les explosifs. Le vieux met ses affaires là-dedans et il les sort chaque fois qu'il veut. Trouve le truc. Elle a été claire. Trouve le truc. Tax et Edith se sont fait emballer. C'est quoi ce bordel? Tu vas t'asseoir et tu te calmes. Assieds-toi, ça va aller. Oh. Oh. C'est dans son bureau qu'il devait les planquer, c'est une. On n'a même pas été voir. Putain, mais je le crois pas. Toujours faire ce qu'elle dit. Connard! Pauvres minables qui font tout ce qu'elle dit. On sortira qu'avec notre paquet. Jade, arrête de déconner, où t'es passé?
Shade, t'es planqué là? J'en ai marre de ces conneries. Putain, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, une zone de turbulence. Patrick. T'es quoi, toi? Tu sors d'où? Solina! Solina, mais qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas! Je t'interdis de la toucher! Son visage. Quoi? Oh, Marie. Marie, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Quelque chose qui va pas du tout. Oh. Oh. Calme-toi.
toi. Je suis là, Marie. Je fais ces cauchemars depuis toujours. Je suis enfermée dans le noir avec cet homme. Je me disais que ce n'était que des cauchemars. Mais celui-là était tellement vrai, je sentais son souffle sur ma peau. Je suis en train de devenir cinglée. Tu as bien fait de venir. Je ne sais plus à quand remonte ta dernière confession. Je ne suis pas en train de me confesser. J'ai une question à te poser. Vas-y. Ma mère est venue dans cette église les 5 dernières années de sa vie. Elle ne t'a jamais rien dit à propos de mon père. Pourquoi elle s'en est séparée? Pourquoi elle m'a emmenée? Est-ce qu'elle t'a jamais dit de quoi elle voulait me protéger précisément? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Quelque chose lui faisait très peur. Je ne sais pas quoi. Comme une peur d'ordre spirituel. Elle a dû te parler de choses qu'elle ne pouvait même pas me dire. Une semaine avant sa mort, elle est venue te voir. Elle t'aurait confessé un secret terrible. Est-ce que je serais au cœur d'un secret terrible? Si confession elle m'avait faite, je n'aurais rien le droit de te dire. On est amis, David. Souviens-toi. On était ensemble à l'école et j'ai... J'ai pas voulu venir à ton ordination. Mais elle est morte maintenant. Tu peux me dire? C'est à l'ami que je parle. Pas au prêtre. Je suis vraiment désolée, Marie. Elle ne m'a jamais rien dit. Absolument rien. Bienvenue à la Nouvelle-Orléans. Pour votre sécurité, c'est de vous protéger. Ne pas laisser vos bagages sur le sol. Est appelé pour rétablir l'ordre. Passons maintenant à l'actualité régionale. Les autorités restent perplexes devant le mystérieux accident d'avion qui s'est produit en début de journée. Partons tout de suite pour le comté de Révillon, où un avion cargo encore non identifié a plongé dans le bayou céleste à une centaine de kilomètres de la Nouvelle-Orléans. Notre journaliste Valérie Sharp, sur place, fait le point. Valérie ? Merci Wesley. Effectivement, je me trouve au bord du marais qui fut fatal à 5 malheureux dont la destination reste inconnue. Nous avons des images pénibles du pilote présumé qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Il avait les mains bizarrement ficelées aux commandes avec le fil de la radio et le buste retenu par un câble. Les 4 autres victimes, ainsi qu'un très vieux cercueil en argent, ont été transférés à Clark, la localité la plus proche, où le petit hôtel de ville sert de chapelle ardente ce soir. Clark. Selon une source proche des enquêteurs, il semblerait que ces avions cargo ne devaient pas être... Super, on enregistre la bande-annonce pour le flash de 10h. Tu as l'avion? Tu as le coucher de soleil? Tu as les nénés? Ouais, y a que le talent qui compte. Je te le fais pas dire. Allez, au boulot. Tourne. Tu démarres quand tu veux, Val. Ici Valérie Sharp pour un point sur le vol fatal qui s'est achevé en... Arrête, je me suis plantée. J'avais rien remarqué. Bon, je suis prêt, vas-y quand tu le sens. C'est quoi toutes ces bestioles? Il y a même plus de soleil maintenant. On s'en fout du soleil, recommence. On est les derniers, dépêchons-nous de finir. Ici Valérie Sharp. Rendez-vous à 23h pour un point complet sur le noyage fatal de... Noyage fatal, voyage fatal. Ici Valérie Sharp. Rendez-vous à 23h pour voir ces saletés petites bestioles s'acheter sur moi. Val ? C'est
C'est quoi ce bordel? Simon, je vous avais dit de rester à Londres. Vous m'avez dit de fermer les yeux. Je vous ai vu prendre votre passeport. Notre ami de la douane d'Isro me doit encore un service ou deux. Vous n'avez pas été dur à repérer. Vous semblez à bout de force. Quoi qu'il arrive, accrochez-vous à votre santé mentale. Tout ce que vous voyez est vrai. Je suis pas sûr de tout comprendre. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce qui doit être fait. Solina! Plus Solina. Maintenant! Ah! Merde! Oh, vache, c'est pas... Monsieur Van Helsing, vous avez été un bel égoïste. Je rêve. Restez derrière moi. C'était qui celui-là? Il voulait nous tuer. Ils veulent tous nous tuer. Ils? Mais qui? Ils? C'était Solina! Je vous jure que non. Ce n'était pas elle. Il ne faut pas qu'elle s'échappe. Laissez-la moi. Et si vous voyez quoi que ce soit bouger ici, tirez dessus. Vous avez compris? Tirez dans le cœur ou coupez la tête. Vous avez compris? Ce sont les non-morts! Les quoi? C'est quoi ce cauchemar? Allez, viens.
Désolé, mec. Je sais pas ce que j'ai qui va pas. C'est ma copine. T'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Désolé, mon vieux, je suis athée. Dieu t'aime quand même. Je vous en prie, monsieur Van Helsing. Je vous en prie. Non. Pitié. Salut. Oh. Oh, tu sais pourquoi tu m'as jamais eu, Simon ? Comme tous les Anglais, tu adores les simagrées et les histoires à l'outrose. Et tout ce que je veux, c'est sucer ton sang. Achevez-la, Simon! Achevez-la tout de suite! Allez, tue-moi. Tu raconteras tout ça à la police. De la tuer. Il faut pour les tuer une flèche en argent, la lumière du soleil ou un pieu. On doit leur transpercer le cœur ou les décapiter. Ce sont des Nosferatu, des vampires. Et vous le saviez ? Oui. Et ça vous dérange pas, ça ? Je les avais détruits, éliminés. Tous sauf un. Mon secret, dans la crypte. Et c'est lui qu'ils ont volé. Lui qui ? Dracula. Dra... Non, attendez. Dracula. Pas le mythe. Pas les divagations d'un romancier irlandais dérangé, non. Il existe. Je vous jure. On nage en pleine quatrième dimension, tête. Non, non. Attendez. Attendez. C'est lui le plus redoutable. Dracula a été le premier d'entre eux. L'originel, le patient zéro. Et contrairement à ce qui l'a contaminé, rien ne peut le tuer, je ne connais pas de moyen. Quoi ? Mais comment ça, rien ? Il est invulnérable à ce qui détruit n'importe quel vampire. Il doit y avoir un moyen. J'ai passé ma vie entière à me demander comment je pourrais le tuer. Il est tout simplement au-delà de la mort. Pourquoi ? C'est la question qui me tourmente depuis plus d'un siècle. Qui est cette créature qui prend l'apparence humaine, mais n'a ni ombre ni reflet ? Ah !
Je me suis fait une promesse, il y a longtemps. Si Dracula pouvait ne pas mourir, alors je le pourrais aussi. Je serais son gardien le temps qu'il me faudrait pour découvrir son secret. Pour savoir qui il est réellement, et pour trouver enfin le moyen d'en finir avec lui. J'ai utilisé son sang filtré par des sangsues pour rester vivant. Mais je n'ai jamais trouvé la réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'il déteste Dieu. Il a de la répulsion pour tout ce qui est chrétien. Mais ça ne le tue pas, non. Ça le met seulement dans une fureur qui décuple encore sa force. Maintenant, vous savez. Non. Vous êtes... Vous me jugerez comme bon vous semble. Mais pour l'instant... Nous devons le rattraper avant qu'il prenne ce qu'il est venu chercher. Il n'est ici que par accident. Le crash. Non. Non. Il n'est pas ici par accident. Mathieu, ou Abraham, ou qui que vous soyez, vous avez encore d'autres choses à me dire? Pour la première fois, je suis convaincu qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre dans le monde qui est comme lui. Il l'a senti. Il a senti son propre sang. C'est ma fille. Marie. J'étais en train de l'embrasser. Je me suis vue embrasser cet homme. Et ça paraissait aussi réel que maintenant, avec toi. Tu te sentais comment ? Effrayée. Mais aussi un peu séduite. Non, non. Plus que ça, c'était comme si je tombais sous son emprise. Qu'il décidait de tout. Mais qu'est-ce qu'il veut exactement? Tu as une idée de ce que c'est? Il me veut moi. C'est mon âme qu'il veut. Réfléchis à ce que tu dis, Marie. J'en suis sûre. C'est mon âme qu'il veut prendre, David. Marie. Et je ne sais pas si j'aurai la force de me défendre. Si un homme, ou une chose, ou quoi que ce soit, veut t'aliéner, il faut que tu te défendes contre ça. Tu m'as compris, Marie, il faut que tu te battes. Et si je ne peux pas me battre? Alors tu auras trahi ta foi en Jésus-Christ. Mais je resterai toujours auprès de toi. Marie, qu'est-ce que tu as? Excuse-moi. Je suis désolée. À bientôt, princesse. Le docteur Seward vient de me dire que vous aviez la conviction d'être un vampire. Alors expliquez-nous comment on devient vampire, Selina. Non. Comment on devient... amant. Racontez-moi. Ah, j'ai été choisie. Tu as vu ça? Hein? Quoi? Et vous, monsieur le policier, vous aimeriez être choisi aussi? Vous attendez qu'une femme vous choisisse? Maman. Tu as lancé l'enregistrement? Regarde-moi quand je te parle! Selina, vous... Vous ne pouvez pas me voir, là. Si je te vois...
Et je vois les contours de ta queue à travers ton bordel. Ne me raconte pas qu'on se laisse indifférent. C'est une expérience incroyable. D'être choisi. Comme si on venait au monde. Vous ne l'avez pas nourri. Pas plus loin en voiture. Il faut la retrouver. Vous n'avez qu'à aller au magasin où elle travaille, et moi, je vais chercher sa maison. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle m'écoutera. Vous êtes toujours son père? Oui. Vous aider? Je ne sais pas. Je viens voir Marie. Marie? Elle est... C'est-à-dire que je ne sais pas où elle est. Mais si vous cherchez un CD, je peux vous renseigner. Je m'appelle Lucy. Lucy Westerman. Et vous êtes ravissant. À la maison. Faut dire qu'en ce moment, elle sort plus du tout. Oui, c'est assez bizarre. Avant, elle se faisait plutôt des plans de délire. Hé, Marie, tu es là? Marie! Pas de chance. Je veux dire... il va falloir... attendre. Vous voulez pas entrer? 2 minutes. Et voilà, notre petit nid douillet. Je suis en haut, elle est en bas. C'était la maison de sa maman avant. Il a fallu lui donner un peu de caractère. C'était... assez... Oh, je cherche le mot. Catholique. C'est ça. Alors, je vous offre un café ou autre chose? Je ne bois pas de café. Mettez-vous à l'aise, je vous en prie. Je reviens. J'en ai pour 1 minute. Vous ne m'avez pas dit votre nom. J'en ai beaucoup. Mais nous sommes tellement plus complexes que le nom que nous portons. Oui.
grâce à la petite fille d'un Snoopy qu'on m'a donné Snow. Un type qui est venu tout à l'heure. Tu as vu Lucie? Tu sais où elle est? Elle est partie un peu plus tôt. Je crois qu'elle avait rendez-vous. Quoi, il y a un problème? Un problème? Non, aucun problème. J'ai une dépression nerveuse, c'est pas... Quoi? Marie Heller? Bonjour, je suis Simon Shepard. Je voudrais vous parler de votre père. De mon père? Mais qui êtes-vous? Comment m'avez-vous trouvé? Si on allait parler autre part... Mon père et moi n'avons aucun contact depuis plus de 12 ans. Et je vous assure que ce n'est pas parce que je ne me rappelle plus son adresse. Quelle que soit votre opinion sur lui, vous n'en savez que la moitié. Je suis désolée, vous tombez mal. C'est pas de chance, mais vous tombez vraiment très très mal. Je dois m'en aller. Je viens vous apporter mon aide. Écoutez, Marie, je sais ce qui s'est passé. Je sais que votre mère vous a emmené vivre en Écosse, au Canada, ici... Elle ne vous a jamais dit pourquoi vous vous cachiez. Je voyais bien qu'il la faisait souffrir. Mais... vous... Marie... Marie, ce qui vous fait peur est bien réel. Votre père est le seul qui puisse faire quelque chose pour vous. Hé, mon pote, tu me payes un coup? Désolé, mon vieux. Marie? Perdu par ton propre reflet. Tu ne l'auras pas. Jamais! Tu crois?
Si tu touches à ma fille, je te jure par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'en soucie guère. Ça, tu peux en être certain. Tu m'as volé la vie en me prenant mon sang et en le transmettant à quelqu'un d'autre. Elle est à moi, c'est ma Marie à présent. Jamais. Jamais. Tu veux te venger, vas-y. Venge-toi, maintenant! Tu n'imagines pas la démesure de ma vengeance. Lucie ? Allô ? Salut Marie, c'est moi. Lucie, où es-tu ? Je suis avec ton père. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Lucie, d'où tu téléphones exactement ? À ton avis. Lucie ? Et tu l'as gardée pour toi toute seule. C'est meilleur que le chocolat. Mais...
dis-moi pourquoi tu es si spéciale. Qu'est-ce que tu as qu'on ne pourra jamais avoir? Oh, je sais. Je connais ton secret. Oh oui, je sais. Oh, non. J'en ai bien senti le goût dans le sang de ton père. Oh, oui. La quintessence. Ce qu'il a volé à Dracula, c'est bien à toi qu'il l'a transmis. Tu es née de son sang. C'est vrai que tu es différente de nous. La petite favorite, tout jamais. Désolée pour ton vieux. On l'a vidé de son sang. Où est votre père? Où est-il? Ma dépendance sacrilège a empoisonné le sang de Marie et pas un jour ne passe sans que je prie pour la paix de son âme. Hier, sa mère a découvert mon secret. Je sais à présent que je ne reverrai jamais ni ma femme ni ma fille. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Mais son absence est une douleur intolérable. Pourtant, il me faut continuer. Vous connaissiez ce carnet? Pas du tout, non. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Simon? Il nous faut un lieu sacré. Quelque part où nous cacher jusqu'au lever du jour, pour réfléchir. Je connais un vieux séminaire tout près. Avec une église. On peut y aller. C'est son sang qui coule en moi, dans mes veines. J'appartiens à Dracula. Voilà la clé de mon histoire, c'est ça? Je suis à lui. Depuis que je suis née. Non, Marie, vous n'êtes pas à lui. Vous ne le serez jamais. Je ne le permettrai pas. Pourquoi vous faites tout ça? Eh bien, disons que j'étais bien parti pour gâcher ma vie avant de rencontrer votre père. Je faisais n'importe quoi, il m'a donné un boulot et m'a remis sur les rails. Je lui serai redevable à jamais. Sauf peut-être si j'essaie de venir à votre secours. Ou peut-être que je l'aurais fait de toute manière. Est-ce que vous croyez à la destinée, Simon? À la foi? Votre père s'est battu pour nous protéger du mal pendant une centaine d'années. Il est allé jusqu'à défier la mort et ça m'étonnerait qu'il ait demandé la permission au destin. Mais je ne suis pas mon père. N'en soyez pas si sûr. Attendez. Ça pourrait vous être utile. On prie et on plante. Toutes les légendes modernes remontent à Dracula, seigneur de la guerre au XVe siècle. Et mon père l'a gardé enfermé dans une sorte de cachot.
Il a fait tout ce qu'il a pu pour le maintenir loin du monde, mais surtout, il a essayé de le maintenir loin de vous. Il cherchait comment tuer un être immortel. Pour lui, Dracula n'était qu'un de ses nombreux noms. Il devait être beaucoup plus vieux que ça. Et il pensait que la réponse se trouvait peut-être cachée quelque part dans l'histoire. La seule façon de connaître la mort, c'est peut-être de... plonger en elle. Il ne faut pas raisonner comme ça. Il ne faut pas. Nous savons qu'il déteste tout ce qui est chrétien. L'eau bénite, la croix, la Bible. Et l'argent. Pourquoi l'argent? Ce n'est pas uniquement chrétien. Il doit y avoir une raison plus... une raison personnelle. Attendez, ça me rappelle quelque chose qu'il a écrit. Chez moi. Qu'est-ce que c'est de l'hébreu? De l'araméen. De l'araméen? Mais cette langue n'est plus parlée depuis près de 2000 ans. Croyez en moi, car je suis la voix de... de l'éternité. Vous parlez l'araméen? Non. Mais lui, oui. Ah!
marche, petit Simon. Alors dis-moi, tu n'as jamais rêvé de t'envoyer une vedette de la télé? Tu résistes. Marie est à lui. Elle lui appartient. C'est comme ça. Non. Nous serons amants bientôt. Non. Tu savais tout ce qui allait se passer. C'était mon destin de te trahir. Parce que tu avais besoin de moi. Maintenant, je bois le sang de tes enfants. Mais je leur donne plus que la vie éternelle. Je leur donne simplement ce qu'ils désirent le plus. Tout ce plaisir que tu avais refusé aux hommes. Pour l'éternité. Tu as façonné le monde à ton image. Maintenant, je le façonne à la mienne. Thank you.
Elle est des nôtres maintenant, tu vois. Oh, elle emporte l'odeur. Nous l'avons gardée exprès pour toi, Marie. Montre-lui qu'il n'y a rien à craindre. Pour nous, le sang est le fluide vital, celui qui nous rend immortels. Tu en laisses un petit peu pour nous. Je veux sa tête. Vampire ou pas, je sais qu'il nous pourchassera toujours. Eh bien. Fais de lui ce que tu veux. Je croyais que ton père t'avait prévenu, Marie. Je suis immortel. Il ne veut pas de moi. Tu lui as déjà demandé. Quoi ? Sa miséricorde ? Tu penses sérieusement que je retournerai le voir ? Jamais ! Retourne le voir et demande-lui s'il veut toujours de toi! Simon. Ça marchera pas deux fois. Toi et moi, on pourrait. Thank you.
je te libère de moi. Judas Iscariote a tenté de mourir pour racheter ses péchés, mais on le lui a refusé. Aujourd'hui, la corde ne s'est pas rompue et il a brûlé dans les premières lueurs de l'aube. Désormais, c'est moi la gardienne de ce qui reste. Si l'âme de Dracula scintille encore dans ses cendres, je l'enfermerai pour toujours. Pour la première fois de ma vie, je sais qui je suis et où est mon avenir. Je suis Mary Van Helsing. Je suis la fille de mon père, et rien ne pourra jamais m'enlever ça. Je